Emine Otter est une mathématicienne du début du XXe siècle dont l'œuvre mathématique ne se réduit pas à ses écrits, mais qui a aussi beaucoup partagé avec ses étudiants et avec ses collaborateurs. Emine Otter a particulièrement contribué au développement de la théorie des anneaux. Un anneau est un ensemble muni d'une addition et d'une multiplication. Par exemple, l'ensemble des nombres entiers forme un anneau. L'ensemble des nombres réels, qui contient les entiers, mais aussi les fractions, pi ou encore racine de 2, est aussi un anneau. Et un troisième exemple d'anneau est donné par l'ensemble des polynômes. Ces trois exemples, en tout cas le premier exemple et le troisième exemple, sont des anneaux qui apparaissent dans des domaines différents des mathématiques. L'anneau des entiers apparaît en arithmétique, lorsque l'on cherche à étudier les nombres, et l'anneau des polynômes apparaît plutôt quand on cherche à étudier les zéros des polynômes, les objets géométriques définis par les zéros des polynômes, ce qu'on appelle maintenant la géométrie algébrique. Dans l'anneau des entiers, tout élément s'écrit comme produit de nombres premiers. 6 s'écrit 2 fois 3. Est-ce qu'on peut dire la même chose pour les autres anneaux? Est-ce qu'on peut décomposer pi ou racine de 2 ou encore un polynôme? En produit de polynômes premiers, est-ce que cela a un sens? Emine Otter a généralisé des travaux existants et défini une nouvelle façon de faire des mathématiques. Plutôt que d'étudier tel ou tel exemple d'anneau, Emine Otter s'est concentré sur l'étude d'un anneau générique et elle a mis en valeur une certaine propriété de finitude pour les anneaux. Un anneau satisfaisant cette propriété est maintenant appelé anneau noethérien et possède entre autres une décomposition analogue à la décomposition en produit de nombres premiers. L'importance de cette notion vient du fait que presque tous les anneaux sont noethériens. Et de plus, c'est une notion très souple d'utilisation. Elle fait maintenant partie des définitions de base de l'arithmétique et est au cœur des fondements de la géométrie algébrique contemporaine. On définit sûrement plein de notions en mathématiques, et il y en a qui restent et d'autres qui disparaissent. Et ça, c'est une notion qui reste dans le sens où elle est utilisée maintenant comme fondement pour au moins deux théories qui sont l'arithmétique et la géométrie algébrique.